Il devait faire au moins 2 mètres de haut, la tranche défigurée, et il n'a pas dit un mot. Les princes de la ville, divorce par balle, Sarafina, mon ami Max, Tom Stone, les patriotes, Maniac Cop 2. Bonne semaine sur Canal Plus. Vous êtes maintenant prévenu. I've never taken this life seriously anyway. You have to time it right. It was great. Après la première de Stockholm et juste avant leur passage dans nos verts pâturages, découvrez Extra Live et Interview Vérité dans la chaleur sud-américaine. Stone the game, it's only rock and roll. Yeah. You have the moon, you have the air they breathe, and you got the Rolling Stones. Un fax. Ça doit être de Harlem. C'est impossible. Il peut pas rentrer dans un fax, il est bien trop grand, n'est-ce pas? Je ne viens pas aujourd'hui, puisque je ne suis pas venu hier. Signé Jean-Luc Dehaene. C'est logique. Bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on devait continuer la négociation d'hier. De toute façon, on n'a rien à négocier, puisque c'est le même gouvernement qu'avant, n'est-ce pas? Bon, je rédige le communiqué de presse. Attends, j'ai ici un papier d'il y a 4 ans. Je change la date et je l'envoie. Tout va bien, les négociations sont âpres mais fructueuses. Échec et mat. Amis de l'info. Et des ragots. Bonsoir. Commençons, si vous le voulez bien, mais est-ce que vous avez vraiment le choix, par un sujet oui. De proximité. Oui, alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, mais effectivement, avez-vous vraiment le choix, nous nous rendons chez Madame et Monsieur Beauregard. Regardons ça ensemble. C'est un serbe. Qui? Celui qui bouge. Bah, je sais pas, c'est possible. Ou alors un croate. Tu reconnais les musulmans, toi? Non. Les croates sont musulmans? Il y a des gens qui s'agitent dans le fond. Ce ne seraient pas les otages? Tu crois qu'on les torture? En tout cas, ils font des signes avec leurs bras. Oh là là, qui a lancé quelque chose? Ça doit être un sniper. C'est pas clair. C'est fuyant, hein? Bon, qui gagne? Mais les musulmans, c'est pas les bosniaques? Pour moi, ce sont ceux qui sont en blanc. Mais ils sont tous en blanc? Oui, c'est pas clair.
Finalement, Sarajevo, c'est assez vert comme ville. Ça doit être Gorazde. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de maisons. Ça n'a pas l'air trop. On zappe. Et tout de suite. Le tour du monde est bref, en bref. Afin que l'affaire du roi Baudouin refusant de signer la loi sur la dépénalisation de l'avortement ne se renouvelle plus sous le règne d'Albert II, Jean-Luc Dehaene vient de proposer une loi très controversée. Monsieur, un projet de loi vous permettant de vous retirer juste avant de devoir signer des lois contraires à vos convictions. J'ai baptisé ce projet de loi Conictus Interruptus. L'Église est confrontée à de nombreux problèmes. En Belgique, quand le pape vient, tout le monde s'en fout et il drache. En Suisse, à Bâle, un évêque va être papa. Alors, Monseigneur, que s'est-il passé? C'est un miracle. Europe maintenant, avec un sujet très européen. Et oui, comme vous le savez, les ministres de la Défense ont créé une force d'intervention rapide en ex-Yougoslavie. Et pour fêter cette naissance, Willy Klaas, secrétaire général de l'OTAN, vient de sortir un single. Eh bien, ça promet, on écoute ça. Je m'appelle Willy Klaas et mon souci est une rébelle dont le nom est... Et Bosnie. Bosnian Klaas. Bosnian Klaas. Chaque fois qu'un casque bleu se fait buter, jamais pauvre Willy ne pouvait riposter. Ce Bosnien fait vraiment tous les doigts. Mais maintenant, lui aussi peut jouer les gros bras. Bosnian Klaas. Bosnian Klaas. Et si un de ces quatre retombe, toi et moi, on nous enterrera tous deux sous une croix. Mon destin jamais soudé au tiers. Si je manque de classe, je préfère finir comme un chien. Bosnian Klaas. Bosnian Klaas. Bosnian Klaas. Bosnian Klaas. Fin de ce journal avec cette phrase de conclusion. Amis des News. Et de l'Europe des Douces. Bonsoir.